position. One. Push up. Alors, là, je vous présente aujourd'hui le pagnan, l'arbre qui fournit le beurre de pagnan. C'est le Pentadesma butyracea. Surtout, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Parce qu'on va parler des propriétés de ce beurre ancestral que je t'invite à redécouvrir aujourd'hui. A tout de suite. On est en train de manger un peu du fruit du pagnan. J'ai déjà parlé de cette plante. Je t'avais montré au Bénin. Mais sur la vidéo qu'on avait vue, sur le pagnan que je t'avais montré, il n'y avait pas de fruits dessus justement. Celui-ci, qui est juste derrière moi. C'est un arbre qui est déjà à maturité, qui fait des fruits depuis plusieurs saisons maintenant. Donc voilà. Voilà à quoi ressemble un fruit de pagnan. Il ressemble à ça. Tu vois. Et c'est à l'intérieur, du coup, quand tu ouvres le fruit, que tu vas voir déjà cette chair-là. C'est une chair un peu farineuse. Un petit peu farineuse. Donc c'est à la fois sucré, un peu acidulé. Maintenant, à l'intérieur du fruit également, tu as les graines que tu vas voir là à l'écran. Tu as les graines qui font d'ailleurs penser aux noix de cola. Si tu n'as pas vu la vidéo que j'avais postée sur la noix de cola, n'hésite pas à aller la voir. Parce que justement, je te montrais, j'ouvrais une cabosse de noix de cola. Et on voit qu'à l'intérieur, il y a vraiment de grosses graines en fait. Donc c'est vraiment exactement pareil. Et d'ailleurs, les graines de pagnan aussi sont mangées comme la noix de cola pour ses propriétés stimulantes. Donc c'est à partir de ces graines-là qu'on obtient en fait, une fois que les graines sont travaillées, transformées, on obtient ce beurre végétal. Ce beurre végétal qui est juste bourré de propriétés que je te recommande vivement à tester. Alors pourquoi je te parle du beurre de pagnan aujourd'hui? Parce que le beurre de pagnan fait partie de ces beurres ancestraux dont les usages ont été perdus au fil du temps. Vous voyez, c'est les beurres que nos ancêtres utilisaient, que nos arrière-grand-mères, tout ça, utilisaient. Et avec le temps, avec la modernité, on s'est tellement tourné vers les produits bourrés de produits, de substances douteuses, pétrochimiques, qui aujourd'hui, hein, on le voit de plus en plus, contiennent des perturbateurs hormonaux, contiennent également des substances cancérigènes. De plus en plus d'études le démontrent aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a cette vague aussi du retour naturel, parce que les gens prennent de plus en plus conscience de l'intérêt de revenir à ces choses-là, essences naturelles en fait, comme le faisaient nos parents autrefois. La preuve c'est que, regarde, quand tu prends ta grand-mère ou ton arrière-grand-mère, si tu l'as connue, est-ce qu'elle avait des problèmes de peau? Honnêtement, est-ce que tu te souviens de la beauté de ses cheveux? Est-ce que tu t'en souviens? Le beurre de pagnan, c'est vraiment un beurre ancestral à revaloriser. Moi, je suis souvent triste de voir que ça se vend ailleurs, à l'étranger, que les Occidentaux, par exemple, en ont une meilleure connaissance que nous. C'est pas normal. Il faut savoir que le pagnan ne pousse qu'en Afrique. Le pagnan ne pousse que chez nous. Donc c'est à toi, enfant d'Afrique, de valoriser ce beurre-là. Tu vas le valoriser comment? En l'utilisant tous les jours. Que ce soit pour te tartiner, pour nourrir ta peau, en prendre soin. Voilà, tu vas l'utiliser comme ça sur la peau. Ça va aussi très bien sur la peau des enfants. Donc vous pouvez vraiment utiliser le beurre de pagnan pour toute la famille. Et ce que je n'ai pas dit, c'est que le beurre de pagnan a une particularité hein, en cosmétique. Si tu veux l'utiliser sur la peau, les cheveux. Donc c'est un beurre qui est vraiment, qui a un fini gras exceptionnel. Ça, je vais souvent rencontrer des personnes qui vont dire « Oui, non, j'aime pas le beurre de karité par exemple parce que c'est trop gras. Et quand je me mets ça sur la peau, j'ai l'impression que je sors d'une friteuse. » Tu n'auras pas cette sensation-là avec le beurre de pagnan. C'est vraiment un beurre qui s'absorbe très très bien, qui a même un effet légèrement poudré. C'est vraiment un beurre qui a cet effet poudré là. Et quand tu l'appliques sur la peau ou sur les cheveux, ça s'absorbe très très vite. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je voulais te parler de ce beurre aujourd'hui. C'est un beurre ancestral à revaloriser. Donc je te donne toutes les informations pour avoir le beurre de pagnan dans la barre de description de cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Je te parlerai d'une autre plante. Je te parlerai d'une autre plante de la beauté ou du bien-être. Merci, à bientôt.
Permission to enter your spirit. Anyway, anyhow, you know, say you go.